Les use cases doivent être décrits à l'aide soit d'une description narrative textuelle, soit sous forme d'un diagramme d'activité qui montre comment on utilise le logiciel pour réaliser la fonction. Comment on utilise, pas comment on implémente. L'implémentation, c'est la conception. On la verra avec le diagramme de classe. C'est bon? OK. Maintenant, aujourd'hui, donc j'espère que tout le monde est là, je vais commencer vraiment le cours. Donc, on va voir les relations entre les use cases. Okay? Un use case peut faire appel à un autre use case. Un exemple. Quand quelqu'un vous envoie, okay, je vais présenter un exemple. Par exemple, tout le monde voit le tableau. Oui, monsieur. OK. Quand quelqu'un va je vais saisir une commande. Une commande. Vous savez ce que c'est une commande? Une commande. Un client vous envoie une commande, un bon de commande, bien sûr. Et une commande. Ce client-là, il n'est pas inscrit. OK. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher le client dans votre base de données. OK. Cette fonctionnalité va lancer une autre fonctionnalité qu'on appelle cherche. OK, cherche client. Parce que moi, quand je vais saisir okay, sur mon ordinateur la commande du mon client, je dois avoir le numéro du client, le code TAO. Et à partir de là, je vais retrouver son nom, prénom, s'il est enregistré. On appelle cette opération, c'est comme un appel, c'est un appel procédural. Un appel procédural. Donc, dans la réalité, le use case, okay, le client, par exemple, l'agent qui utilise le logiciel, il peut faire cet appel directement. Hein, il peut faire l'appel directement. Mais il se peut qu'un use case 1 appelle un use case 2. Okay, souvent, on le fait quand on saisit avec un écran de saisie, on est en train de saisir des informations. Il nous faut le code ou le nom, le prénom d'un étudiant. On tape le matricule et on obtient toutes les informations sur l'utilisateur pour saisir ses notes, par exemple. Okay? On n'a pas besoin de ressaisir le nom, prénom. Est-ce que tout le monde a compris ce principe d'appel procédural? Ça, c'est un exemple. Hein? Donc, les use cases peuvent faire appel à d'autres use cases. On les appelle les relations entre les use cases. J'espère que je me suis fait bien comprendre. OK. Donc, la première relation que vous devez connaître, c'est la relation de communication entre l'agent et le use case. Si vous voyez un trait, il y a certains qui mettent une flèche. OK. Certains mettent une flèche. C'est bon. Et moi, je préfère utiliser un trait seulement. Ça, c'est ce qu'on appelle une relation, regardez, ça, c'est ce qu'on appelle une relation de communication entre un acteur et un use case. Ça montre qui fait quoi, qui fait quoi. Et ça montre les privilèges. C'est très important. C'est bon? Donc là, on sait que le client peut retirer l'argent. Le système bancaire peut retirer aussi l'argent. Active. OK? Ça, c'est la relation la plus simple. Maintenant, il y a la relation d'inclusion. C'est ce que je vous ai montré là. Ça, c'est ce qu'on appelle une relation include. OK, j'utilise le mot en anglais. Il y a certains qui utilisent le français, mais moi, je préfère utiliser le mot réserve. Include. Donc, cette relation entre use case montre qu'un use case 1 fait appel au use case 2 sans condition. Toujours, quand on saisit une commande, on doit chercher le client qui a envoyé là le use case. Donc, ça, c'est une relation qui existe aussi entre les use cases. Une relation d'inclusion définit que le cas d'utilisation contient le comportement défini dans un autre cas d'utilisation. Le constructeur est un outil qui permet de mettre en commun des comportements à plusieurs use cases. Il indique qu'une instance d'un use case A inclut aussi le comportement spécifié d'un use case B. Okay? On dit que B fait partie de A. Okay?
Il faut savoir que ce concept construit n'est pas un moyen de faire découpage fonctionnel, c'est réellement un moyen de faire apparaître des sous-ensembles communs à plusieurs caisses. Regardez, quand vous, parce qu'en réalité, il se peut que, c'est-à-dire que dans le comportement saisir une commande, on a le comportement chercher le client. Toujours quand on saisit une commande, quand on va recevoir, il faut faire la recherche du client. Elle est contenue. Pourquoi on la fait sortir? Pourquoi on la met pas ici et dans la description IA et la description, on rajoute la description de recherche client. Pourquoi on fait sortir? Je pose une question. Pourquoi on fait sortir le use case cherche? Pourquoi ne pas le laisser à l'intérieur? Et dans la description, je dis que pour saisir une commande avec le diagramme d'activité, je dis que je vais faire une recherche du client qui a envoyé la commande pour retrouver son nom, prénom, son adresse. Pourquoi on fait sortir une fonction à partir d'une autre fonction? En programmation. En programmation, vous avez ça. Une fonction F1, procédurale, hein, procédure dans le sens programmation procédure. Pourquoi F1 fait appel à une fonction F2? Pourquoi ne pas écrire le code de F2 à l'intérieur de F1 en programmation? Je repose la question. Donc, souvent, certains codes se répètent dans plusieurs fonctions. Si vous avez F1, F3, F4, qui contiennent le même code qui se répète. On ne va pas l'écrire quatre fois, la trois fois. On le fait sortir. F4, C'est pour F4. éviter les répétitions. Donc, saisir une commande, fait appel à chercher client. Il y a une autre fonction, maintenant, établir facture, pour établir la facture. Okay. Une facture, par exemple, ou là pour établir une facture, okay. On a besoin aussi de chercher le client, okay. Son nom, prénom, chercher, c'est pour retrouver les informations. Donc, l'agent peut aussi établir la facture et établir la fonction fait appel à chercher client. Très bien. Donc, quand vous voyez qu'un traitement se répète tout le temps dans plusieurs use cases, avec traitement, on le fait sortir comme une fonctionnalité et auquel on va faire appel. Les use cases vont faire appel. C'est pour factoriser. Okay, c'est pour sortir les éléments communs sous forme d'un use case séparé. Il se peut que le use case séparé soit accessible directement. Soit accessible directement. Il se peut qu'il soit accessible directement. C'est-à-dire, un IA en tant qu'agent. Je peux faire appel à chercher client directement. Mais il se peut que d'autres use cases font appel à cette fonctionnalité. OK? Est-ce que tout le monde a compris cela? Monsieur, Oui? Coulius case en deux fonctions. Use case, c'est une fonction. Fonctionnalité. Mais je fonctionne C, hein? Je ne parle pas de programmation. Fonctionnalité, vous dites. C'est bon? D'accord. C'est un service. Tenu, là, là, là. C'est un Oui. service enfin, qui m'a ouvert documents. C'est les options du menu, tac. OK? Souvent, c'est les options du menu. Service, on l'appelle fonctionnalité, ou bien use case, c'est la même chose. Un use case, une fonctionnalité, peut faire appel à une autre fonctionnalité. OK? Donc, quand vous avez un service qui fait appel à un autre service dans votre logiciel, vous devez le schématiser avec une relation include. Et c'est le cas toujours. Maintenant, si je saisis les notes d'un étudiant, je suis obligé de chercher l'étudiant d'abord. Pour saisir les notes, il faut chercher l'étudiant pour pouvoir saisir ses notes, pour retrouver son nom, prénom. Donc, au lieu que mon use case implémente la recherche, je vais faire appel au use case chercher l'étudiant. Maintenant, pour établir son certificat de scolarité, je suis obligé de faire la recherche de l'étudiant. Est-ce que tout le monde a compris cela? On va prendre le CATA. OK, ça c'est le gestionnaire de scolarité. Gestionnaire. OK, gestionnaire scolarité. Maintenant, établir fiche scolarité. Scolarité. Fiche. C'est une fonctionnalité. Fiche scolarité. Saisir note.
Ça, c'est des fonctionnalités du logiciel de gestion de scolarité, saisir note. Le logiciel doit me permettre de faire ça. OK, il y a d'autres. Toutes ces fonctionnalités, avant de se terminer, à un certain moment de leur exécution et sans condition, avant que cette fonctionnalité se termine, avant que cette fonctionnalité se termine, elle doit faire appel à search, chercher. Chercher étudiant concerné. OK, vous mettez donc une flèche qui part du use case A vers le use case B. Vous mettez une flèche qui part du use case principal, OK, vers le use case secondaire, vers le use case secondaire. OK, ça c'est use case secondaire. Donc, use case A appelle le B sans condition. OK? On dit qu'il inclut. Include. On utilise le mot réservé, include. OK, stéréotype. C'est un stéréotype qu'on met dans la flèche, sur la flèche. Donc, c'est comme si vous avez une fonction A. C'est comme si vous avez une. C'est comme, hein, je dis comme si vous avez une fonction A. A, qui à un certain moment avant de se terminer, fait appel à la fonction B. Okay. Elle fait appel avant, mais sans condition. Il n'y a pas de if then. Hein. Il n'y a pas de if then. Est-ce que tout le monde a compris cela? C'est comme un Oui. appel procédure. Hein. Il n'y a pas de condition. Kitchouful include. De flèche. Je vais vous poser une question pour savoir si vous avez compris ou non. Clear frame. Regardez. Est-ce que je peux avoir ça avec include? Est-ce que ça c'est correct? Est-ce que ça, c'est solide? Supposons qu'on n'a que ça. Est-ce que ça, c'est correct? Maintenant, par exemple, Non, monsieur. comment? Non. Pourquoi, à votre avis? Parce que il faut, si on veut include A à partir de B, il faut d'abord commencer par exécuter B. Ben, très bien. Tout le monde a compris. Pour que.
qui n'a pas été donnée, mais معليش. Traiter la commande, appel, demande de catalogue sous une certaine condition qui n'a pas été mentionnée ici, ce n'est pas grave. Pourquoi on met la flèche du use case secondaire vers le use case principal? Je vais l'expliquer. Dans certains cas, ok, je vais mettre, okay, je vais agrandir pour que vous puissiez voir tous. Tout à l'heure, maintenant pour saisir une commande. Une commande. Qu'est-ce qu'on avait dit? Automatiquement, on cherche le client qui a envoyé la commande. Donc, c'est chercher. Chercher, toujours à l'infinitif. Chercher, j'ai pas assez d'espace, mais allez, parce que je travaille avec le client. OK. Ça, c'est un include. Donc, automatiquement, obligatoirement, je suis obligé de faire la recherche. Donc, ça, c'est le A qui appelle le B toujours. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai A, la fonction A. À un certain moment, elle fait appel, OK, à B. Elle fait appel à B, quelles que soient les conditions. C'est bon? Maintenant, si le client est nouveau, si je cherche, je ne trouve pas le client, qu'est-ce que je vais faire? Je dois l'insérer dans la base de données. C'est un nouveau client. Je dois l'insérer, rajouter. Si vous voulez ajouter, insérer. Supposons, est-ce que je peux sortir? OK, insérer client. Nouveau client. Insérer client. Donc, quand je reçois un bon de commande pour la première fois et je dois le saisir, nous rejoignons la fonctionnalité, je le saisis. Okay, ça, c'est une première solution. Une fois que j'ai inséré mon client et je ressaisis le bon de commande et je le cherche, bien sûr, je vais le trouver. Ça, c'est une première. Mais pourquoi ne pas laisser la fonctionnalité saisir la commande appeler directement la fonctionnalité insérer client? Je peux le faire. Pourquoi sortir de la fonctionnalité saisir commande ou l'aoud insérer? Directement, la fonctionnalité saisir commande appelle la fonctionnalité saisir commande. Est-ce que tout le monde a compris ça? L'utilité. Est-ce que tout le monde a compris que le A, if, qu'il y a une condition. If, il y a une condition que je vais écrire ici. New, nouveau client. If nouveau client, s'il s'agit d'un nouveau client, c'est-à-dire ça n'a, je ne l'ai pas trouvé, si c'est un nouveau client, alors ok, alors then, je vais appeler le C. C'est bon? Ok, je ne dessine pas correctement parce que je suis en train de dessiner, hein, pas d'écrire. C'est bon? Est-ce que tout le monde a compris que le A ne va pas toujours appeler le C? Il va l'appeler sous une certaine condition. S'il s'agit d'un nouveau client, on peut directement appeler la fonctionnalité. Maintenant, on ne va pas utiliser le stéréotype include. On va utiliser le mot étant, extend. Extend. Extend, donc il y a un nouveau cas, extend, c'est un stéréotype entre deux guillemets. Hein. Toujours les stéréotypes s'écrivent entre deux guillemets. C'est le C qui étend le A. Tout à l'heure, on a mis la flèche à partir de A vers le B, parce que c'est le A qui inclut le B. Maintenant, ce n'est pas le C qui inclut le A. Le C étend le A. Et on met la flèche dans ce sens-là, pour lire la relation. Hein. C étend. Donc, la flèche, on l'a inversée. Pas pour dire que le C inclut le A. Il ne l'inclut pas. C'est le A qui inclut le C. Mais il l'inclut sous une certaine condition. Donc, on n'a pas voulu utiliser le terme include. On a utilisé un autre terme, extend. Mais qui étend l'autre? C'est le C qui étend le A. Donc, on met la flèche de C vers A. Yajma, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ça? Monsieur. Oui.
Quand est-ce qu'on sort de saisir la commande pour aller insérer d'abord le client ou ben Vous de pouvez le l'arrière? faire. هنا معناتها ما ديريش لو ليان. D'accord. لا ما كاش هذا لو ليان. واش معناتها؟ Ok. Vous m'obligez à sortir, ma cache le client. Je dois saisir son nom, prénom, je dois le créer dans la base de données. Donc, je sors de la fonctionnalité, ça va pas marcher. Ça va être un scénario échec. OK, l'exécution, tu as saisir commande. Et j'aurai le lien Hada. Le lien Hada. Donc, je vais le saisir et ensuite, je reviens. Mais ça va être une perte de temps. OK, et ça va, c'est contre l'ergonomie. Souvent dans les logiciels commerciaux, les logiciels de gestion commerciale ou la gestion, quand on ne trouve pas un élément, on appelle directement à partir de l'écran de saisie de la fonctionnalité A, on appelle l'écran de saisie de C, carrément. C'est plus pratique. OK? Oui, D'accord. je Monsieur. Oui. نقدر من شركة كليون نروح لانسيري كليون اذا Oui, كان vous نوفو pouvez le كونديسيون. faire. Vous pouvez le faire. Mais علاش ma درتهاش, à votre avis? Parce que chercher client, je vais l'utiliser dans d'autres fonctions. Oui. Maintenant, je ne sais pas, pour saisir facture. Saisir facture. On décide de chercher client, oui. Chercher client. Alors, quand on dit la flèche, maintenant, tu vas l'insérer. Je n'ai pas besoin Non, chercher. conditions. Et non, chercher client, خدمتها chercher. Ma dit. C'est une question de programmation. Hein. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez le faire techniquement. Pardon. Mais quand je cherche un client, la fonction chercher, elle doit me retourner true false avec l'élément. Son Une but soirée n'est pas de d'existoire, faire. non? Avec ça. Maintenant, quand la fonction recherchée, elle vous retourne un résultat, vous pouvez insérer ou ne pas insérer. Ça, c'est autre chose, selon le contexte. Si vous faites le lien entre chercher et insérer, dites-là une autre chose. Dites-là une autre activité pour laquelle elle n'est pas, elle ne doit pas être développée. Il faut bien modulariser. OK? C'est la fonctionnalité qui appelle chercher client qui décide d'insérer ou de ne pas insérer. OK? Pour consulter. Allez, consulter un client. Consulte. Elle fait appel aussi à chercher. Et si elle ne le trouve pas, elle va l'insérer. Elle ne doit pas l'insérer. C'est consulter. Consulter, dans ce cas-là, a besoin uniquement de chercher client. Si vous rajoutez la flèche, si vous ne le trouvez pas, vous serez obligé de l'insérer. Et ça, non. Je veux consulter un client qui existe. Maintenant, la fonction qui fait appel à chercher, il y a qui décide de faire le traitement par la suite. Est-ce que tu as compris? OK? Cette fonctionnalité B a un rôle unique, c'est de chercher l'élément. Maintenant, le résultat du chercher sera utilisé par la fonction appelante pour insérer, pour afficher, pour faire quoi que ce soit. C'est bon? Oui, monsieur, merci. Donc, il faut savoir comment modulariser, hein? Le langage vous permet beaucoup de choses. C'est comme le C. Le langage C vous permet beaucoup de choses, mais il ne faut pas l'utiliser avec liberté. Il faut des fois limiter l'utilisation pour garder ce qu'on appelle la maintenabilité, la réutilisation. Pour pouvoir réutiliser la fonction plusieurs fois, il faut la séparer de insérer client. Si je n'avais que ça, oui, je rajouterais la flèche. Mais là, je chercher client, elle sera appelée par une dizaine d'autres fonctions. OK? Fonctionnalité. Hein? Je ne sais pas si ça, je vais associer des classes ou des procédures C pour chaque fonctionnalité. Je ne sais pas. Il se peut que chaque fonctionnalité, diagramme de cas d'utilisation, il se peut qu'elle soit implémentée avec trois, quatre procédures. Du langage C ou là, du langage Java. Il se peut que une fonctionnalité soit implémentée par une seule fonctionnalité, par une seule procédure C. Donc, on oublie, hein, c'est-à-dire pour moi, la programmation, on n'y est pas, hein, on n'y est pas encore. Mais seulement, je suis en train de dire comment le système doit fonctionner, d'un point de vue externe. OK, donc. C'est ce qu'on appelle l'extension. La relation étant définit que l'instance d'un cas d'utilisation peut être augmentée avec un comportement quelconque, peut être augmentée avec un comportement quelconque défini dans un autre cas d'utilisation. Créer une première commande est un cas d'utilisation qui étant le cas d'utilisation créer une commande.
Il indique une instance du cas d'utilisation A peut étendre le cas d'utilisation B. A étant B, on transfère le contrôle à un autre use case. C'est un appel procédural, mais sous une condition. OK. La plus courante est le traitement des extensions. B traite le cas normal. A traite l'exception. Oui. Ça, c'est exact. Si vous avez remarqué, le cas d'utilisation have, saisir commande, il traite le cas normal. Ça, c'est le cas exceptionnel. Insérer un client, c'est un cas d'exception parce qu'il n'existe pas. Ce n'est pas le cas où le client existe. Généralement, les extensions traitent les cas particuliers. If condition 1, faire appel au use case 1. Si condition 2, faire appel au traitement du use case 2, etc. Ça, c'est un exemple. Donc, vous avez un client distant qui demande à faire un virement par Internet. Là, faites attention, ça, c'est l'héritage. Je ne suis pas encore arrivé à là. Donc, vérifiez solde compte. Étant virement, quand vous faites un virement, on fait appel automatiquement à identification et virement, des fois, fait appel à la vérification du solde compte si le montant dépasse un certain montant, 500 francs ou autre, 500 dinars ou autre. Virement appelle toujours identification, mais il fait appel à vérification solde si le montant dépasse une certaine valeur. OK? Donc, faites attention. La troisième relation, je vais l'expliquer tout à l'heure. Allez, c'est ce qu'on appelle l'héritage. Donc, il y a toujours une extension. Une condition est associée au cas d'utilisation étendu. Il y a un point d'extension référence à une ou plusieurs étiquettes du cas d'utilisation où le cas d'utilisation peut être étendu. Il y a un point dans le cas d'utilisation auquel on rattache le cas d'utilisation étendu. C'est-à-dire, dans la description, vous allez le faire. Donc, quand vous décrivez, vous dites à quel moment vous allez étendre le cas d'utilisation par un nouveau. Donc, après avoir saisi le nom du client, son code postal et son adresse, et après avoir constaté que le client n'est pas répertorié, on étend le cas créer la commande vers le cas d'utilisation créer une première commande. C'est-à-dire, dans la description, vous allez le faire. On n'a pas encore atteint ce point, mais allez, on y arrivera. Maintenant, le troisième lien. Donc, regardez, dans le schéma HAD, si vous avez remarqué, il y a le include, il y a le extend, mais vous pouvez avoir aussi le cas, un cas, vous connaissez tous l'héritage. Donc, vous pouvez hériter, en quelque sorte, un use case à partir d'un use case. Maintenant, virement par Internet hérite de virement. Donc, un client distant n'appelle pas à la fonctionnalité virement. Il appelle une sous-classe de la classe virement. Cette classe-là de fonctionnalité s'appelle virement par Internet. Donc, il y a des choses en plus qu'on va rajouter. Virement par Internet, c'est virement avec des choses en plus. Avec des choses en plus. Je ne sais pas si vous avez fait un peu l'orienté objet ou non. Est-ce que vous avez fait l'orienté objet? Oui. Donc, vous avez une classe C0 à partir de laquelle vous dérivez une deuxième classe C1 ou bien une classe C2. Ça, c'est en matière de classification. Ça, c'est le symbole de l'héritage. House symbole de l'héritage. C'est un trait continu avec, avec un triangle fermé, avec une tête sous forme d'un triangle fermé. Ça, c'est l'héritage. Il y a aussi ça. Ça, je vais l'expliquer quand on va aborder les diagrammes de... C'est comme les... Ça, c'est implement. Pour ceux qui ont fait un peu le Java, qui connaissent les interfaces, quand vous implémentez une interface, vous héritez une interface, mais elle est vide. Donc, vous devez l'implémenter. Ça, c'est l'implement. Implémentation, ça, c'est l'héritage. Donc, quand vous dérivez une sous-classe, C1, c'est quoi? C'est un cas particulier de C0. Donc, c'est C0 auquel vous rajoutez des choses, des attributs. Des méthodes spécifiques. C2, c'est quoi? C'est la classe C1 auquel vous C0, pardon, C0 auquel vous rajoutez de nouvelles fonctionnalités. Est-ce que tout le monde a compris cela? Vous rajoutez des propriétés nouvelles comme les attributs, les méthodes, etc.
Est-ce que vous avez compris cela? C'est ce que vous avez appris en orienté objet. Oui. Ça, c'est le langage UML. Hein? Ça, c'est le langage UML du diagramme de classe. On va le voir par la suite. Mais allez, ce n'est pas quelque chose de grave de comprendre ça maintenant. Donc, la même chose. Quand vous avez, donc, par analogie, vous avez bien retenu l'image. Quand, des fois, il se peut, par exemple, que vous ayez un cas d'utilisation générale. On va l'appeler A. Par exemple, inscrire étudiant. Allez, inscrire étudiant. Ça, c'est la fonctionnalité inscrire étudiant. Donc, quel que soit le type de l'étudiant, il y a toujours des traitements communs. Pour inscrire étudiant, la moindre des choses, c'est lui donner un matricule, nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale. Mais à partir de là, on peut dériver des use cases spécifiques avec l'héritage. Mathalan, use case B, mathalan, c'est inscrire un étudiant en licence. Supposons qu'il y a des différences entre les inscriptions, entre master ou licence ou doctorat. D'ailleurs, il y a des différences. Hein. Use case C. Mathalan, c'est master, M. Ou doctorat, c'est use case, c'est mieux D, c'est inscrire un étudiant en doctorat. Doctorat. Ça, c'est master. Donc, vous remarquez que les trois partagent les mêmes fonctionnalités, beaucoup de fonctionnalités. Mais ils ont des choses en plus. Alors, je ne sais pas, il y a des traitements en plus. Là, il y a des traitements en plus. Là, il y a des traitements en plus. Donc, on va dire que use case, il y a des choses communes, c'est inscrire étudiant. Bref, chacun aura des fonctionnalités spécifiques. Au niveau du menu, l'utilisateur va accéder à quelle fonctionnalité? Il va instancier quel use case? Soit B, soit C, soit D. Très bien, les concrets, les use cases concrets. C'est comme en programmation. En programmation, quand vous utilisez une classe abstraite pour dériver des classes concrètes, vous instanciez les classes concrètes, la même chose. Quelqu'un qui fait ça, c'est, ou midir chez le tahtaniyin, sera erroné. Il se peut que le use case global soit instanciable, hein, soit instanciable. Mais il faut que les cas particuliers soient instanciables. Hein. C'est-à-dire, quelqu'un qui met ça, il ne met pas ça, mais B ou C ou D ne seront jamais instanciés, ne seront jamais appelés. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec extend? Est-ce qu'on peut s'en passer de l'héritage? Je vous pose une question. Est-ce que je peux faire la même chose avec l'extend? Vous pouvez faire la même chose avec l'extend. Hein? Ce que je viens de faire avec l'héritage, on peut même le faire avec include. Au lieu d'utiliser. Parce que les choses communes, je peux faire appel aux choses communes à travers le include. Ça a été rajouté dans la version 2. Il y a des gens qui n'aiment pas l'héritage au niveau des fonctionnalités. Au niveau du use case, il y a des gens qui ont critiqué ça dans le langage UML. Ils disent qu'il n'y a pas l'héritage entre les procédures. Est-ce que vous avez vu un langage procédural avec l'héritage entre les procédures, entre les fonctions? Je vous ai posé une question. Qu'est-ce que c'est l'héritage? Est-ce que vous avez vu quelque chose de ce type-là? Une fonction main, F2, qui hérite de la fonction F en langage de programmation, F1. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ça, c'est la généricité F2 qui utilise comme paramètre F1. Ça, on peut l'avoir comme paramètre. Mais ça, c'est ça existe, ça n'existe pas dans les procédures. Il y a la généricité entre les fonctions, il n'y a pas l'héritage entre les fonctions. Donc, il y a des gens qui ont dit la même chose. Il n'y a pas, ça c'est quelque chose qui a été critiqué, mais ça existe, donc vous pouvez l'utiliser. Ok? Mais pour moi, les extends et include suffisent largement, mais vous avez le droit d'utiliser l'héritage. D'ailleurs, on va le faire dans les TD. Hein. C'est bon? Donc, regardez là. Le client distant appelle virement par Internet qui hérite de toutes les fonctionnalités de virement. Ça, c'est correct.
Mais si on avait fait un trait entre client distant et virement, on n'a pas lié virement par Internet au client, donc ça veut dire que virement par Internet ne sera jamais activable. Ne sera jamais activable. Donc, cette façon-là, c'est la façon correcte. On peut faire appel à virement. On peut faire aussi appel à virement. Mais celui qui a dessiné ce diagramme-là ne l'a pas fait. Donc, il demande à un client distant uniquement de faire un virement par Internet. C'est bon? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la relation de généralisation. La relation de généralisation, elle est concrétisée par l'héritage. Un lien d'héritage entre deux cas d'utilisation signifie que le cas d'utilisation spécialisé est plus spécifique que le cas d'utilisation générale. Le cas spécialisé hérite de toutes les propriétés et les associations du cas d'utilisation généralisé. Il peut être augmenté avec de nouvelles propriétés, bien sûr. Le même principe peut être appliqué aux acteurs. Il y a aussi l'héritage entre les acteurs, j'ai oublié de le dire. Par exemple, un responsable d'agence est un employé avec une autorité de responsabilité supplémentaire. Je vais revenir au schéma. Vous pouvez avoir aussi ça. Regardez. Regardez. Vous pouvez avoir aussi ça. Ça, c'est par exemple, donnez-moi un exemple. Un agent X au classe. Un agent, ça, c'est le directeur. Supposons que ça fait l'action A, il peut faire l'action B. C, par exemple. Il peut faire le B, ok, ou le B ou le A font appel, par exemple, au use case C. Passer, on va mettre, ok, malish, D. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le directeur, l'agent ne peut faire que A et B et C. Le directeur peut faire le A, peut faire le B, peut faire le C, peut faire le D. Il hérite de toutes les prérogatives. Donc, au lieu de rajouter des traits comme ça ou de compliquer le dessin, au lieu de faire ça, vous enlevez tout ça. Vous enlevez tout ça. Il se peut que l'agent peut... puisse faire beaucoup de choses. Hein. Il se peut qu'il puisse faire beaucoup de choses. Donc, il suffit de rajouter le tri pour dire que le directeur hérite de toutes les prérogatives de l'agent. Okay? De tous les privilèges de l'agent. Et vous enlevez les liens. Ce n'est pas la peine de dire de relier le directeur aux fonctionnalités de l'agent. Le fait de mettre les... Tout le monde a compris ça? Oui. Ok. Il se peut que le B lui-même hérite d'une fonctionnalité F. Fonctionnalité F, je ne sais pas. Donc, le D aussi peut faire le A, le B qui hérite de F, mais qui fait appel à C. OK? Le D peut faire appel à E. Donc, l'agent ne peut pas faire D, ne peut pas faire E. Hein. C'est le directeur qui peut faire en plus le D et le E. OK? Je reviens à mon transparent. Là, donc, le client peut faire un retrait. Il peut faire retrait avec contrôle. Retrait avec contrôle hérite de toutes les propriétés de retrait. Donc, retrait avec contrôle, c'est retrait qui a fait appel à mise à jour de compte, plus des choses en plus. Avec extend, c'est spécifique au contrôle du solde. Est-ce que tout le monde a compris cela? La partie supérieure, retrait ne peut faire que mise à jour du compte. Retrait avec contrôle du solde, fait mise à jour du compte et appelle aussi contrôle de solde. C'est en plus, parce qu'il y a l'héritage. La sous-classe enrichit la classe supérieure. C'est la classe supérieure enrichie avec de nouvelles choses. C'est bon? Mais je vous ai dit, hein, vous pouvez vous en passer du lien de généralisation. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le... Okay, parce qu'il n'y a pas l'héritage entre les fonctions. Il n'y a pas l'héritage entre les fonctions. Parce que les use cases, c'est comme des procédures. Hein, c'est comme des procédures. Mais ça a été introduit où on peut l'utiliser sans problème. Ça, c'est un exemple. Stocker produit peut être spécialisé avec stocker nouveau produit, stocker produit retourné, stocker produit avec annulation de commande. Donc, ces trois use cases partagent un même code. Le même code, enfin, les mêmes traitements.
Okay. Maintenant, pour la description des cas d'utilisation, il faut décrire le début. Okay. Parce que ce qu'on a fait maintenant, c'est bien. On a dessiné les use cases. Okay. On sait ce qu'on va implémenter. Mais il se peut que un certain terme soit incompréhensible. C'est quoi retrait avec contrôle du solde? Il faut dire comment ces fonctionnalités vont être réalisées. Okay. Là, tout le monde peut-être comprend ce que veut dire le terme stock. Mais des fois, vous avez des use cases complexes. Il faut les décrire. Okay? Il faut les expliciter avec un diagramme d'activité ou bien avec une description narrative textuelle. Donc, il faut enrichir les diagrammes de cas d'utilisation avec d'autres descriptions. La description du cas d'utilisation comprend le début du cas d'utilisation, la fin, les interactions entre le cas d'utilisation et les acteurs, les échanges d'informations, la chronologie, yani l'ordre, l'origine des informations, les répétitions, les situations optionnelles, yani if then else. Okay. Soit vous utilisez un langage algorithmique textuel pour décrire comment le cas d'utilisation interagit avec l'utilisateur, soit vous utilisez un diagramme d'activité. Moi, je préfère les diagrammes d'activité. Donc, vous devez décrire tous les scénarios possibles, hein. Si vous oubliez un scénario, ça va se transformer. Yani, le programmeur, le concepteur, le programmeur vont oublier ce cas d'utilisation, vont oublier ce scénario. Lors de l'exploitation réelle, votre logiciel ne va pas fonctionner correctement. Parce que, maintenant, si vous oubliez le fait que la date d'inscription d'un étudiant doit être toujours ultérieure à la date de naissance. Si vous oubliez de faire cette vérification, je m'arrête. Mais vous permettez à un utilisateur de saisir une date de naissance qu'avant la date d'inscription. Et ça va se traduire par une erreur dans votre logiciel, par une corruption de données. Ce n'est pas grave pour un système d'information parce qu'on peut revenir en arrière et corriger. Pour les systèmes d'information et de gestion, ça ne pose pas de problème. On peut toujours. Ce n'est pas aussi grave que ça. Mais pour les systèmes critiques, les systèmes d'aviation, de contrôle de véhicules, contrôle d'usine, si vous oubliez maintenant de faire un traitement d'un certain scénario, maintenant une certaine exception, ça va se traduire par une erreur de calcul. L'erreur de calcul va se traduire par une catastrophe. Okay? Le Ariane 5 a explosé parce que le bonhomme n'a pas traité le cas où une variable, la valeur d'une variable, dépasse une certaine valeur qui ne sera pas représentable en 16 bits. Donc il y a eu une exception overflow qui n'a pas été traitée. Le scénario n'a pas été traité. Donc ça s'est traduit par une explosion. Okay. Donc souvent, les logiciels sont comme ça. Vous avez, quand vous décrivez un use case, toujours commencer par le scénario normal. Ça s'appelle le scénario nominal, normal, où tout va bien. Ou bien penser aux alternatives, au cas d'exception. Okay. Normalement, Naya, je devais faire ça, regarde. Parce que ce n'est pas toujours l'alternative, mais je dis toujours le début. Hein. Il se peut que l'autre alternative se déclenche ici. Hein. Deuxième alternative, lost. Il se peut que vous ayez une troisième alternative derrière, quand vous avancez. Vous connaissez tous les organigrammes. OK? Donc faites attention, ces alternatives. Ces alternatives, il faut les recenser. Si vous oubliez un cas, c'est la catastrophe, des fois. Donc, la description, il y a qui doit détailler ces cas-là. Parce que dans le use case, il n'y a pas ces cas-là. On ne les voit pas. OK? On ne les voit pas. Donc, quand vous écrivez le use case, vous ne voyez pas les exécutions du use case. Vous devez les montrer dans la description. Okay? Souvent, il y a ce qu'on appelle le scénario primaire, le scénario où tout va bien. C'est ce qu'on appelle le scénario basique, normal, nominal. C'est-à-dire quand les gens vont introduire les données de façon correcte, il n'y a pas des choses indésirables. Par contre, on n'est pas sûr que tout, lors de l'exécution du logiciel, le use case va se comporter de cette façon-là. Il se peut qu'il y ait des choses anormales. Il faut les décrire dans les alternatives. Okay. Il faut chercher donc les scénarios secondaires en se posant des questions du type, y a-t-il quelques autres actions possibles au niveau du scénario? Y a-t-il des choses qui pourraient mal fonctionner? Y a-t-il quelques comportements qui pourraient arriver à ce moment du scénario? Okay.
Attendez, je vais avancer là. Je vais avancer. Ça, c'est un exemple. Je commence par le diagramme d'activité qui est le plus simple, que tout le monde pourrait comprendre. Regardez. Quand vous saisissez une commande, vous traitez une commande, vous devez obtenir le numéro de commande. Vous devez chercher la commande, si elle existe ou non. Vous faites appel à chercher, au use case, chercher commande ou trouver commande. OK. Vous n'êtes pas sûr que vous n'allez pas, vous allez toujours la trouver. Au départ, vous allez décrire le cas oui. Donc, vous allez afficher et faire le traitement, la suite. Mais vous devez penser au cas où la commande n'a pas été déjà saisie. Elle n'existe pas. Non. Et là, vous devez soit afficher message, soit faire appel à notre use case pour la saisir ou autre. Donc, vous voyez que là, il y a déjà à ce niveau-là, il y a deux scénarios possibles. Maintenant, quand vous passez au traitement à la commande, okay, il y a une boucle parce que vous devez traiter chaque article, chaque ligne dans le banc de commande. Donc, chaque article, chaque produit, il faut le saisir, okay, ou bien le traiter, et ainsi de suite. Et vous faites une boucle. Donc, il se peut qu'il y ait des problèmes par la suite. Il faut les montrer dans le diagramme d'activité. Ça, c'est une première façon de décrire. Vous pouvez aussi faire une description narrative. Narrative textuelle, c'est comme ça. Donc, traiter commande, vous avez. C'est ça le schéma, une description narrative. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Chaque use case doit être décrit. Chaque use case doit être décrit soit à l'aide d'un diagramme d'activité, soit à l'aide d'une description narrative. Ah, et la description narrative. Il y a le nom du use case. Là, vous n'avez pas besoin de le faire. Enfin, vous écrivez en bas diagramme d'activité du use case X. Là, vous donnez le nom du use case, vous donnez les présupposés, les préconditions, le dialogue, post-condition, les exceptions, s'il y a des améliorations futures. C'est comme ça. Donc, le présupposé, qu'est-ce qu'il décrit? Il décrit la condition, une certaine condition pour lancer le traitement. Mais cette condition, on ne va pas la vérifier lors de l'exécution du use case. On va supposer qu'elle a été déjà vérifiée. Par contre, toutes les conditions que le use case doit vérifier, on va les mettre dans les préconditions. Ensuite, on décrit le flow de données, le flow d'événements, c'est-à-dire un algorithme, 1, 2, 3, 4, 5. Et à la fin, vous donnez les post-conditions. C'est la condition que doit être vérifiée pour dire que le traitement à use case s'est terminé correctement. OK? Un exemple. Le présupposé de la traitée commande, c'est que l'utilisateur a été reconnu. Authentifié, a été authentifié. Ce n'est pas traité commande, la fonctionnalité traité commande qui va vérifier que l'utilisateur, le logiciel a été authentifié. On suppose que ça a été fait. Donc, on dit que c'est un présupposé. Par contre, la vérification, le numéro de commande est faite par le use case lui-même, par la fonctionnalité use case. Donc, quand vous introduisez un numéro de commande, il faut qu'il soit valide. Donc, ça, c'est la condition. Numéro de commande valide. Ensuite, vous mettez 1, 2, 3 et vous utilisez un langage algorithmique. Le système demande à l'utilisateur un numéro de commande. L'utilisateur fournit un numéro de commande. 3. Le système cherche la commande à l'aide d'un langage algorithmique. Si la commande n'est pas trouvée, alors erreur. Allez à stop. À la fin. Sinon, vous continuez. Vous utilisez le GoTo. GoTo. Un langage descriptif, langage algorithmique en quelque sorte, mais avec des phrases. La post-condition, c'est fait normal. Soit une fin normale, soit une annulation. Si il y a eu une fin normale, il faut que toutes les modifications sur la commande ont été enregistrées. Ça, c'est la condition pour dire qu'on a terminé le traitement de façon normale. Si il y a eu une annulation du traitement à cause d'une condition qui n'a pas été vérifiée, d'une précondition qui n'a pas été vérifiée, alors les modifications ne sont pas enregistrées. Qu'est-ce que vous préférez? Le diagramme d'activité ou la description narrative? Avant que je vous libère. Diagramme, oui. Diagramme, c'est plus facile, plus compréhensible. C'est-à-dire, diagramme d'activité, on prend le dialogue et on le décrit ici. Les conditions, ça se voit avec les losanges. Ça se voit directement. OK? Une dernière chose, je ne vous laisse pas partir. Ce que vous avez dans le diagramme d'activité par rapport aux organigrammes, c'est ça. Organigramme. Enfin, les diagrammes d'activité par rapport aux organigrammes, c'est ça. C'est que vous avez le parallélisme. Dans les organigrammes que vous avez étudiés, il n'y a que la séquentialité. A, vous passez à C1. Là, vous pouvez lancer deux tâches en parallèle, C1 et B1 en parallèle. Et à la fin, vous faites un join, une synchronisation des deux branches.
Donc, vous avez le parallélisme en plus. C'est bon? Vous avez un cours maintenant. Oui. OK. Donc, peut-être on fera encore quelques... La prochaine fois, peut-être je vais consacrer encore un quart d'heure pour vous expliquer tout cela à la fin. OK? Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez partir. Merci, monsieur. Hein. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.